Nirenfar est un jeu de pose ouvrier, narratif. Les joueurs tentent de gagner le plus de points en faisant des actions en ville et en explorant le monde. Dans Nirenfar, nous parcourons le monde à la recherche de la dernière ruine, un artefact puissant capable de réaliser tous nos désirs. Le monde est représenté par un livre, et chaque double page correspond à une aventure. Un plateau représente la ville principale de la zone. Chaque joueur possède aussi un plateau personnel. Il permet de gérer son groupe d'aventuriers, ses équipements, son argent et son compte de cœur. Lors de son tour, le joueur actif a le choix entre visiter la ville ou partir à l'aventure. S'il visite la ville, il place son pion sur une zone vide du plateau et en réalise l'action. Il ne peut pas rester sur place, et seul le saloon peut accueillir plus d'une personne. Il est possible de se rendre en ville, peu importe son emplacement sur la carte. Les bâtiments permettent de recruter de nouveaux personnages, de gagner de la nourriture, d'acheter une monture, de gagner des trésors ou de faire des échanges. Il est même possible de miner en plaçant une tente sur une case adjacente à une tente déjà présente, à condition d'avoir au moins autant de symboles habileté que le nombre à recouvrir. Chaque emplacement apporte des récompenses. Partir à l'aventure permet de se déplacer sur l'atlas. S'il était en ville, le joueur place son pion sur la ville de la carte. Il peut alors réarranger ses membres d'équipe et restaurer ses cœurs. Il compte le nombre de cœurs de son équipe et de ses cartes, puis place son marqueur sur le total. Qu'il sorte de la ville ou qu'il soit déjà sur le plateau, le joueur déplace son pion en suivant les lignes reliant les différents emplacements. Au début de la partie, il n'est possible de se déplacer que de deux cases maximum. Chaque symbole flèche permet de se déplacer d'une case supplémentaire. Des menaces à combattre ou à fuir se trouvent parfois sur le chemin. Passer par une case trésor permet d'en piocher un. Mais attention, chaque emplacement sans tente traversée coûte un cœur. Lorsqu'il a terminé, le joueur peut placer l'une de ses tentes à l'endroit où il se trouve, si la zone est libre et qu'il paye 3 cœurs. Il gagne la ressource indiquée. Les symboles de commerce ne rapportent rien, mais permettent de gagner des points en fin de partie. Si la case est une quête, il peut tenter de la résoudre. Son voisin va au paragraphe indiqué dans le livre de rencontre, et lit les choix proposés. Le joueur en choisit un, lance le dé, et y ajoute son total de symboles habileté ou combat. Il peut dépenser des cœurs pour gagner plus 1 à la compétence par cœur dépensé. Si l'action est réussie, l'histoire se dévoile et le joueur gagne et perd les éléments indiqués. Lorsqu'un joueur place sa dernière tente, la partie s'arrête. Chacun compte ses points de victoire et celui qui en a le plus gagne. Nirenfar propose 4 modes de jeu. Première aventure permet de se familiariser avec les règles. L'action se déroule dans le monde d'Abovan Billow. La campagne nous propose de jouer 10 parties sur 10 cartes différentes, avec un système d'expérience et de talents à acheter. Le mode histoire permet de suivre l'histoire de son personnage sur 3 ou 4 parties. Les quêtes sont personnalisées. Comme pour la campagne, les personnages gagnent de l'expérience. Le mode arcade permet de jouer sur n'importe quelle carte, sans utiliser le livre de rencontre. Pour conclure, Nirenfar est un jeu d'aventure très original, qui allie pose ouvrier, gestion de ressources et narration.